passé de bons moments ensemble au mois de février, je crois. Et c'est quelque chose pour nous qu'on aime à partager avec des gens comme vous, des professionnels. Chez nous, ça se passe dans ma communauté, un rassemblement, un groupe comme vous autres qui travaillent ensemble. Et dans les communautés, il y a chaque personne qui a une spécialité. Alors chez moi, je travaille dans le domaine de la médecine traditionnelle et j'ai beaucoup de choses à vous partager. Et premièrement, je voudrais vous partager avec un peu de notre médecine, comment on travaille avec des gens qui souffrent. Et on travaille beaucoup avec des animaux. Et on partage sur la philosophie de l'animal. Et c'est très important de comprendre aussi l'animal parce que c'est eux qui donnent la vie. Et les humains, eux, des fois, ils ont la tendance de travailler en arrière. Et quand on travaille en arrière, on a un petit peu des soucis, on rencontre plusieurs obstacles. Et tandis que l'animal, lui, c'est en avant. Il marche à l'avant, puis sa vision, c'est à l'avant. Et il n'y en a pas d'obstacle à l'avant, qui que ce soit, si on travaille un peu dans ce sens-là, à suivre une tortue, mettons. Une tortue, c'est un animal qui marche en douceur, qui regarde bien des affaires avant de choisir quoi que ce soit, un pas à la fois, et c'est comme un ours. Un ours, pour moi, c'est mon maître. J'ai été élevé avec un ours, j'avais 7 ans, 12 ans. 12 ans, j'avais 12 ans. Et puis j'ai cohabité quasiment avec un ours. Il y avait son habitat à côté, puis le mien à côté. Puis on se voyait tous les jours. Et cette rencontre-là, ça a été pour moi une rencontre extraordinaire à connaître ta force, jusqu'où vous pouvez y aller avec votre force. Alors, la peur. Alors, quand on travaille dans dans la médecine, on a peur d'avancer. Et parce qu'il y a beaucoup de critiques. Alors, il y a des obstacles partout dans tout ce qu'on fait. Et on a regardé, on a jugé. Et ça, c'est quelque chose que moi, je m'en occupe pas. Si quelqu'un parle de moi, soit négatif, ça me touche pas. Avant, oui, mais plus maintenant. Je vais devant, comme mon ours. Alors, j'ai capturé mon ours à l'âge de 12 ans, puis ça a été pour moi une leçon de quand que l'animal donne sa vie pour toi. Et je suis assis sur mon ours présentement. C'est sa peau. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on tient en cœur de garder l'esprit de l'animal. Alors, je vais vous en parler aussi un peu de bison blanc. Et il y a 5 ans, il y a un bison blanc qui est venu au monde. C'est une femelle qui est venue porter ses enseignements et fait partie dans la prophétie du bison blanc. Puis c'est très, très important chez nous pour le suivre, l'arrivée du bison blanc et surtout le message, parce que ce sont des messagers. Et c'est des rassembleurs. Et alors, la femelle, elle nous a apporté tout ce qui touche au niveau de la médecine des femmes. La philosophie, la vision et surtout la médecine des femmes qu'on appelle. C'est de comprendre de la vie des femmes. Et pour moi, c'est ma mère qui m'a partagé beaucoup. Ma mère a donné 18 enfants. Alors, on connaît sa médecine et sa douceur et aussi sa patience avec les 18 enfants. Mais dans la forêt puis en ville, c'est différent. C'est plus facile dans la forêt à vivre avec ses enfants. Et
tous les enseignements, encore, viennent de l'animal. Si je vous parle de la famille de lynx, alors des petits canards, des bébés en arrière, leur maman, c'est comme ça chez nous. Probablement que vous avez aussi entendu parler, quand on dit en file indienne, alors ça, ça existe vraiment, c'est papa puis maman qui sont à l'avant, puis nous en arrière, on suit. Ben, une en arrière de l'autre, comme des petits canards. Alors, tous les enseignements viennent de l'animal. Alors, nous sommes des gens très, très visuels et il n'y a pas d'écriture chez nous. Alors, quand on parle des les prophéties, aussi, ça va être beaucoup basé sur les dessins. Alors, on va lire entre les animaux, mettons. Alors, le bison blanc est celle qui est venue au monde il y a 5 ans et elle a apporté encore la médecine douce. Et puis c'est une femelle, la deuxième, et ça fait pas, ça fait même pas un an, il y a 10 mois, je crois, qui le 21 août, qui est venu au monde, celle-ci, c'est un mâle. Alors qu'on attendait, elle est arrivée 5 ans après la femelle. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre, la balance. L'équilibre, la femelle et le mâle. Alors ça, c'est important de comprendre vraiment la prophétie du bison blanc. Parce que c'est deux qui viennent porter le message d'être vraiment, être consciente et conscient. D'où on va avec cette médecine-là. Alors, je peux baser dans la médecine traditionnelle comme ça peut être la médecine scientifique. Alors, chez nous, on travaille beaucoup avec des médecins scientifiques. On est ensemble. Et c'est pas parce que lui, il est allé à l'université, puis moi, je suis allé à l'université dans la forêt, qui est différent. On a tous de la même vision. Et cette vision-là nous approche d'être ensemble, d'être capable d'en parler. Et si jamais il y a des conflits, on se parle entre nous. Et alors, on accepte la médecine scientifique. Et les scientifiques acceptent notre métier aussi, la médecine traditionnelle. Alors, on travaille tous les deux. Alors, le médecin, des fois, il m'envoie ses clients ou ses clientes. Alors, on travaille tous les deux. Puis, moi, j'aime ça. J'aime ça parce que ça fait partie dans la médecine, le cercle qu'on appelle le cercle de la médecine, qui est divisé en 4. Et la couleur jaune, et la couleur rouge, et la couleur noire, et la couleur blanc. Alors, il y a 4 couleurs à l'intérieur dans le cercle de la vie, qu'on appelle. Et en même temps, ça fait partie du cercle de guérison entre nous, entre les peuples. Alors, ça fait longtemps qu'on connaît des blancs, qu'on connaît des peuples jaunes, qu'on se connaît les peuples rouges et les peuples noirs. Alors, il n'y a aucune différence la façon que ces gens-là, dans leur philosophie, on se rejoint dans la même vision. Et alors, le cercle de guérison, pour nous, c'est très, très, très respecté chez nous. Le cercle de guérison aussi représente les 4 animaux importants dans la vie chez nous, c'est la tortue, qui joue le rôle de prendre connaissance. Une vie, ça existe. On a juste une vie, il n'y a pas 2 vies. Et la couleur rouge, c'est aigle. Alors, aigle, il nous a montré le cercle de la vie, le cercle de l'amour, le cercle de la famille, le cercle de guérison et tout. Une famille, c'est grand, une famille. Ça peut être toute une équipe de hockey,
toute une équipe de basket ou de foot, c'est toute une famille. Alors, quand on parle de la famille, c'est pas nécessairement la famille avec papa et maman. Alors, vous êtes une famille parce que vous travaillez dans le même sens, dans la même vision. Et ça, c'est ce qu'on appelle la famille. Alors, quand que la famille commence un peu à aller dans une autre direction et tout, alors chez nous, on va tout de suite donner des enseignements. Les familles des oies. Alors, les familles des oies, les barnaches canadiennes, ça peut être des oies blanches. Alors, ces oiseaux-là, ils voyagent ensemble. Ils peuvent faire des kilomètres et des kilomètres, il y a juste un leader. Et quand le leader est fatigué, alors, il donne tout de suite sa place à un autre leader. Alors, étant donné qu'on est tous des leaders, chaque personne prend son leadership. Alors, quand les oies voyagent ensemble, il y en a toujours juste un à l'avant et les autres, ils vont suivre. Et si jamais des jeunes, des enfants, des oies, ils sont à l'intérieur parce qu'ils voyagent en V, hein, et quand un enfant se détache, tout de suite, les gens d'expérience qui vont aller chercher, puis vont ramener au centre l'enfant. Alors, c'est un peu ça aussi, la famille. Alors, les familles restent ensemble et ils travaillent ensemble. Et je pense que moi, c'est la façon qu'on peut aider les gens. Et je ne suis pas plus haut que vous autres. Et je suis connu ici au Canada et c'est pas parce que je suis connu que je suis différent. Je suis ciblé déjà, puis c'est pas parce que je suis ciblé que je suis différent des autres. Je suis moi. C'est moi qui prend ma décision, c'est moi qui veut aller dans cette direction. Alors, j'y vais avec les gens. Et alors, c'est ça que j'aime, une famille.